8 mois de prison avec sursis et interdiction à vie d'avoir des animaux. La sanction est tombée au tribunal de Papeete à l'encontre d'un propriétaire de chiens à Pamathei. Ces animaux avaient mordu son voisin et un couple d'amis. Blessures physiques, mais aussi blessures psychologiques. Stéphane Ratineau et Sandro Lee ont rencontré l'une des victimes. Ni haine, ni propos surjoués. Une des victimes est à la barre. Sa voix est posée, presque douce. Il raconte le moment de l'attaque, les cris à l'aide. Mais il y a plus. Cette vie désormais en périmètre restreint. On reste proche de la maison. Ma femme ne profite plus du jardin. Il y a la peur. Le voisin, un quinquagénaire, a pris ses dispositions. La femelle, chef de meute, a été donnée. Mais il reste les deux autres chiens. Des animaux non dangereux regardent la loi. Quant à la loi de la meute, c'est une autre histoire. Le jour de l'agression canine, c'était déjà une deuxième attaque, ce qui a compté dans la décision du juge. Ils avaient déjà fait tout ce qu'ils pouvaient en mettant un enclos et un portail qu'ils ont automatisé pour limiter les oublis, etc. Ils sont vraiment très attachés à leur chien, ils en ont depuis le début de leur vie. Jusque-là, tout s'était bien passé. C'est ce qui leur fait le plus mal en réalité, c'est de devoir se séparer de ces chiens qui sont bien traités et qu'ils aiment, quoi. Il faut que la crainte cesse, dira le vice-procureur. La divagation des chiens et les meutes en déshérence sont un fléau sociétal en Polynésie. Le juge est clair avec le prévenu. S'il y avait eu un mort, c'était directement à la prison. La sanction tombe. Au-delà du sursis, le départ des chiens et l'interdiction d'en avoir d'autres soulagent la victime. On était toujours dans le stress. Il fallait vraiment une décision comme celle-là. D'autant plus que cette décision, comme l'a dit le juge, n'est pas une décision qui ne nous concerne que nous. Le problème des chiens est un véritable fléau ici. Et depuis 85 que je vis ici, j'ai entendu beaucoup d'histoires graves concernant les chiens. Et quand même, je dis aux autorités publiques, il est vraiment plus que grand temps de faire quelque chose. La justice est là, bien sûr, pour faire acte de réparation, mais aussi pour envoyer des messages clairs à la société. Les sanctions ont parlé aujourd'hui. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.